one, two. Pourquoi vous êtes gênés comme ça? Et pourtant, j'ai vous à la maison, je sais que vous êtes pas comme ça. Alors, écoutez, c'est pas une prédication ce qu'on va faire. Hein. Je vous dis déjà, on va parler calmement et en mode chill. Je salue toutes les personnes qui nous suivent sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Et vous toutes qui êtes présentes. Vous avez vu que je ne suis pas toute seule. Elle va se présenter. Comment tu t'appelles? Donc bonsoir à toutes. Moi, je m'appelle Jessica. J'ai 21 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tu étudies quoi? Ah, ok, d'accord. Bon, du coup, je suis étudiante en droit. Donc, du coup, là, j'entre en deuxième année. J'étudie actuellement à Londres. Et puis, voilà. Elle est youtubeuse. Ah oui, c'est vrai. Je suis également youtubeuse. Et j'ai une page Instagram sur laquelle je traite de différents sujets, dont le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est plus dédié aux femmes, aux jeunes filles et aux filles, parce que j'aime faire la différence entre les trois. Et donc, du coup, je vous invite à me suivre, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse. Si aujourd'hui, vous voyez que voilà, ce que j'ai dit vous intéresse, etc. Je vous invite à me suivre. C'est Jessica de tirer du bas MNL. Et voilà. Elle partage des choses très intéressantes. Donc, merci à toute la régie et merci à vous. Moi, j'aime pas quand je fais des échanges comme ça, que les gens ils disent « Oh, la servante de Dieu ». Non, là, on est en mode chill, respirer, on parle, on échange, ok? Donc, on va parler des complexes. Vous aimez ça, hein? Des sujets comme ça. On dit qu'une personne qui est complexée, elle a tellement... son regard focalisé sur ses défauts et sur ce qui ne va pas, en fait. Genre, tu vois, et des personnes complexées, ils passent beaucoup plus de temps à se comparer aux autres, tellement t'es pas sûr de toi, tu vois. Et sincèrement, avec la génération des réseaux sociaux, ça n'aide personne. Parce que sur les réseaux, on voit tout le monde en train de refaire ses dents, tout le monde en train de refaire son nez. Tout le monde, les gens qui ont les moyens, même d'autres qui carrément font un crédit pour pouvoir changer leur physique. Après, on voit énormément de personnes aujourd'hui qui, au lieu de faire la chirurgie, c'est les filtres. Tu vois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se prendre en photo sans les filtres, tellement genre, tu veux camoufler des boutons, tu veux... Genre tout camouflé, t'as la peur qu'on puisse voir genre ton vrai visage. Non, tu vois. C'est vrai. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, par rapport au filtre, il y avait une influenceuse qui parlait de ça la dernière fois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup, ça fait qu'on veut camoufler ce qui, de base, est normal. C'est-à-dire, par exemple, avoir un bouton. Tout le monde a des boutons. Mais aujourd'hui... avoir un bouton, c'est « Ah, oh, mon Dieu, regardez, elle a un bouton. » Et la plupart du temps, on veut camoufler ce que... Parce qu'on pense que ah, les autres, ils vont voir ça et donc, du coup, ils vont se moquer. Or que la plupart du temps, or que généralement, ton bouton, il ne va pas se voir. Enfin, je veux dire, il se voit, mais les autres, ils ne vont pas forcément pointer du doigt ton bouton. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir, tu vas avoir une perception de ce qui ne va pas chez toi de manière, on va dire, exagérée. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et je pense que le plus fréquent, en dehors de tout ce qui est intellectuel, etc., c'est surtout physique, en fait, tu vois. Donc, des personnes vont commencer à vouloir un corps, je ne sais pas comment. Parce qu'aujourd'hui, en plus, des fois, c'est même pas nous les femmes le problème, mais c'est les hommes le problème. Sincèrement, c'est les hommes. Et une des choses que moi, personnellement, je déteste, c'est cette manière où les hommes, dans leur tête, ils disent les femmes claires, c'est les plus belles. What the hell? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Il y a quoi? Tu vois, moi, des hommes comme ça, je ne supporte pas. Ou soit ceux qui sont noirs, mais qui ne veulent pas se mettre avec une noire et qui veulent se mettre avec une blanche parce qu'elle a des vrais cheveux. Ta mère, elle est noire, frère. Ta grand-mère est noire, ton arrière-grand-mère est noire, donc il y a quoi, tu vois? Et ces garçons-là ont tendance à rabaisser la femme noire,
a élevé la femme blanche. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je vais donner un exemple. Par exemple, Aya Nakamura, regardez comment les hommes noirs, ce sont les premiers à la rabaisser. Tu vois ? Genre, commencer à parler de son physique, commencer à parler. Et c'est pour ça, moi, j'ai trouvé, honnêtement, le mouvement Black Lives Matter très hypocrite. Pour moi, ça, c'était hypocrite parce que je me dis, vous criez ça, mais en même temps, vous vous rabaissez les noirs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, selon moi, il y a énormément d'hypocrisie dans tout ce mouvement-là. Parce que je me dis, les noirs eux-mêmes ne s'aiment pas. Tu vois ? On se tire entre nous, tu vois, au lieu de nous élever. Regardez même les femmes noires. Après, je mets pas tout le monde dans le même sac. Je trouve qu'on devrait plus s'élever que genre se rabaisser, tu vois. Si tu vois que la couronne de ta sœur, elle est tombée, t'as pas à genre écraser la couronne. Tu remets la couronne sur sa tête. Mais il y en a, pour elle, c'est l'occasion de bien l'écraser, tu vois. Et c'est ce problème qu'on a, au fait, dans la communauté noire, où j'ai même suivi, je pense que c'était sur les réseaux, c'était une émission où il y a une miss qui a carrément dit l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Ça, pour moi, j'étais vraiment choquée qu'elle dise ce genre de choses alors que ça ne se dit pas. Et même les complexes par rapport à ce que je vois, ce que j'observe, lorsqu'on voit par exemple une blanche, après c'est rien de raciste ce que je suis en train de dire, mais si on voit une blanche parler lingala, chanter lingala ou en je sais pas quoi là, n'importe quelle langue africaine, tu vois tous les noirs, oh waouh, mais genre quand on voit un noir genre parler très bien français ou très bien anglais, les gens ne l'applaudissent pas forcément. Ou si un Congolais parle anglais, c'est, ouais, il parle anglais, c'est pas notre langue en fait, vous voyez ce que je veux dire. Nous on est des Congolais. Et de la même manière que les gens, est-ce qu'on peut mettre nos téléphones en silencieux ? La même manière qu'on applaudit pour des personnes d'autres races qui s'intéressent à notre culture et qui se sont intégrées, c'est de la même manière en fait qu'on doit faire pareil pour nos frères et sœurs. Et ça crée un complexe. Observe bien comment ils vont traiter les blancs vis-à-vis des noirs. Tu vois très bien, tu vas voir que deux mêmes personnes, le même cas, mais tu vas voir que la personne va être en train de trembler devant l'homme blanc parce que la personne se sent inférieure, tu vois. Et voilà. Et le problème qu'on a également, c'est le problème de peau que beaucoup de personnes ont. Et ça pousse certaines femmes, tellement elles ont entendu que les femmes claires sont les plus belles, à commencer à s'éclaircir. Hommes. Donc moi par exemple, je vais donner un cas qui me concerne par rapport aux hommes et tout, enfin que je vivais avant. Donc j'avais aussi développé ce complexe de couleur de peau quand j'étais plus jeune parce que je voyais que surtout quand tu es au collège, et ça c'est aussi parce que les hommes eux-mêmes sont complexés, enfin les hommes noirs eux-mêmes sont complexés par leur couleur de peau, parce que même quand tu étais au collège, en primaire ou même certaines fois au lycée, on ne voulait pas sortir avec toi parce que tu étais noir, et donc du coup on allait privilégier ta copine qui était beaucoup plus claire que toi, ta copine qui était métisse, ou alors ta copine qui était blanche, ou alors ta copine qui était arabe. Pourquoi ? Parce que à cause de la couleur de peau, à cause des cheveux, parce que toi tu es noir et donc du coup logiquement tu mets des faux cheveux, etc., etc. Et ça avait développé chez moi un complexe d'infériorité par rapport du coup à mes copines qui étaient d'une autre couleur de peau que moi, et même les copines que j'avais qui avaient la même couleur de peau que moi, on était toutes ensemble dans ce complexe d'infériorité en fait. Et c'est pour ça que je me souviens, j'avais fait aussi une story sur Instagram où je parlais de ça en disant, les hommes des fois vous dites des choses mais vous en rendez pas compte. C'est à dire que maman elle a parlé de, enfin, la prophétesse elle a parlé de Aya Nakamura. Pour une fois je te donne le droit de m'appeler Prisca. D'accord. Pas la servante, d'accord, de Dieu ici. Ça va être dur, mais d'accord. Donc du coup, Prisca, elle a parlé de Aya Nakamura. Les hommes noirs sont les premiers, et on le voit, on l'a tous vu sur Twitter, à dire, oh oui, non, Aya Nakamura, elle ressemble à un homme, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et ce sont des choses à ne pas dire. Et du coup, ça me fait penser aussi au fait que
si on prend autant si leurs mots nous impactent autant, c'est parce que leurs mots ont vraiment une grande importance. Et donc du coup, je pense que c'est bien du coup de parler entre nous des complexes, etc. Mais ce serait bien aussi que les hommes puissent se rendre compte que vous avez, il y a des mots que vous dites qui ne sont pas à dire, parce que de la même manière que vous rabaissez les femmes noires, comme Presque elle a dit, vous rabaissez vos mamans, vous rabaissez vos sœurs, parce que vous avez des sœurs, vous avez des cousines, vous avez des tantes également, vous serez amené à avoir des nièces, etc., etc. Vous serez amené à avoir des filles. Et moi, je pense que ces hommes-là n'aimeraient pas que demain, leur fille rentre à la maison en train de pleurer. Et quand on leur demande « Ah, pourquoi ma fille, tu pleures ?»« Ah, parce qu'on m'a dit que ma couleur de peau n'était pas belle. » Non. Ouais, c'est vraiment ça. Et aussi, une des choses que j'observe, surtout dans le monde de footeux, ils veulent tous être avec des blanches et des métisses. Pour moi, ça, c'est un complexe. S'il y a des footballeurs qui vont regarder cette vidéo, vous êtes décomplexés. Parce qu'il y a des femmes, désolées, je dois le dire, ça doit être dit, observe-les tous. 90% des footballeurs professionnels qui passent à la télé, leurs femmes sont des métisses ou des blanches. C'est un complexe. C'est vraiment un complexe parce que, voilà, genre, en mode, être avec une femme claire, ça veut rien dire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Et pourtant, moi, en tout cas, y a même des complexes dans les familles où ils veulent absolument que tu épouses un homme clair. Les complexes que tu épouses un homme blanc, comme si l'homme blanc, il est je ne sais pas qui. Non, en fait, on va se marier entre nous. Si dans le plan de Dieu, tu dois épouser un blanc, c'est pas un problème, mais il n'y a pas à vouloir forcer ton enfant à épouser un blanc parce que tu as une image ou tu te fais des films dans la tête, tu vois. Ça, vraiment, on voit aussi dans les familles africaines, surtout, où il y a ce complexe-là, tu vois. Et moi, je ne supporte pas ça. Moi, je trouve que, en dehors de nous-mêmes, en tant que femmes, je trouve que l'autre problème, c'est vraiment les hommes, de ce qu'ils créent dans le cœur des femmes. Regardez même les photos qui ont plus de likes sur les réseaux sociaux. Ils vont liker, mais il y a Facetune. Aujourd'hui, tu peux avoir des fesses de je ne sais pas qui, Cardi B, Nicki Minaj, tout ça, parce que tu as utilisé Facetune. Tu vois, aujourd'hui, les complexes, c'est « Oh non, j'ai des petits seins comme des oranges, j'aimerais des melons. » Non, sérieux. Il y a ces complexes-là. Moi aussi, je suis en train de vous parler sans tabou. Je parle ouvertement. Il n'y a pas à faire des genres. Oh non, moi, je veux un corps comme je ne sais pas qui. Un corps à violent. Ça fait un corps à la Galia. Voilà. Mais, non, sérieux. Elle a un corps violent. Mais il n'y a pas le pire dans tout ça. Je veux le dire. Elle a un beau corps comme ça. Mais elle me met là en mode, non, je dois maigrir. Et pourtant, elle a un beau corps. Moi, je dis non. Je le dis ouvertement, balle perdue, voilà. Tu vois, il y a des femmes comme ça, quand tu leur regardes, elles sont tellement jolies, mais vraiment même des femmes noires. Mais à force d'avoir entendu des choses que non, vous les femmes noires, les femmes noires, les femmes noires, ça fait en sorte que tu ne t'acceptes plus, juste même sortir dehors sans maquillage. Continue. Bah justement, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit sur le fait de sortir dehors sans maquillage. Moi, il y avait un temps où sans maquillage, je ne sortais pas. Je ne sortais pas sans maquillage. Et je me suis rendu compte que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal parce que du coup, pourquoi je sortais pas sans maquillage? Parce que je me suis dit, les gens ont été habitués à me voir comme ça. Donc du coup, si je... Et pourtant, moi, à la maison, je me trouvais belle sans maquillage. Hein. Je me trouvais belle sans maquillage parce que je me basais sur le regard des gens. Je me suis dit, parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui, ils aiment trop parler. C'est-à-dire que tu vas avoir, je sais pas, des cernes. Ah, t'as des cernes. Pourquoi tu me dis que j'ai des cernes? Je sais que j'ai des cernes. Mais tu n'es pas obligé de me rappeler que j'ai des cernes. Voilà. Donc du coup, j'étais là en mode, ah mais si je sors sans maquillage, les gens ils vont voir aussi que j'ai des taches, que j'ai des trucs comme ça, etc. Alors que non, normalement, t'es censé en fait t'accepter comme Dieu t'a créé. Après c'est vrai que voilà, si jamais tu trouves que voilà, tu veux prendre un peu plus de poids, mais pour toi, par rapport à toi et non pas par rapport au regard des autres, ou alors que tu veux perdre du poids, encore une fois, par rapport à toi et non pas par rapport au regard des autres, là tu peux le faire. Mais si c'est un changement que tu veux faire parce que tu te dis « Ah, comme ça les gens vont m'accepter », non. Ça par contre, c'est pas quelque chose à faire et c'est malsain, pas pour les autres, mais pour toi. Parce qu'au final...
tu vis avec toi-même, les autres ne vivent pas avec toi. Donc ça veut dire que ton mal-être, il va être avec, et c'est toi qui vas vivre ton mal-être et non pas les autres. Donc si toi, par exemple, tu es là, tu t'acceptes, tu aimes ton corps comme il est, mais tu vas te dire, ah non, parce que sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, les personnes qui ont le plus de likes, ça va être les personnes qui ont une plus grosse poitrine, on va dire. Je m'accepte bien comme je suis. Vous voyez ? Donc maintenant, ça, tu ne veux pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi-même. Genre, pour certaines tenues, j'avoue qu'il faut quand même un peu plus de forme pour que ça fasse... C'est bien, c'est beau, tu vois. Donc, c'est normal. On aime se sentir bien dans notre peau, tu vois. Et c'est tout à fait normal de se sentir bien dans ta peau, mais quand tu vis avec plein de complexes à cause des commentaires négatifs que tu reçois, et ça aussi, tu vois, tu peux pas te laisser influencer par les commentaires négatifs que tu reçois parce que les gens parleront toujours, même si tu as un corps comme je ne sais pas qui, les gens vont te critiquer. Tu vois, quelqu'un comme Beyoncé, on la critique aussi. Rihanna, on la critique aussi. Alors quand tu regardes leur corps, tu te dis, oh waouh, tu vois. Exactement. Et ça revient en fait que moi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ça et une pensée qui m'était venue, c'était que l'être humain est un éternel insatisfait. Donc ça veut dire que Par exemple, toi, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais on va te prendre un exemple. Moi, je te regarde, je ne vois pas de défauts sur toi. Sauf que toi, tu vas te regarder et tu vas voir des défauts sur toi, tu vois. C'est-à-dire, moi, je vais te voir et je vais dire, ah, mais elle est parfaite, etc., etc. Et imaginons que moi, maintenant, je serais une personne complexée, je vais dire, ah, j'aimerais bien avoir, son corps, sa morphologie, etc., tu vois. Et toi, tu te dis, ah, j'aimerais bien avoir la morphologie de Jessica, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que l'être humain est un éternel insatisfait. Et les défauts que toi, tu te... Enfin, voilà, je ne dis pas tout le monde. Les défauts que vous pouvez vous trouver aujourd'hui, c'est des qualités que d'autres personnes vont trouver chez vous. Voilà pourquoi il est important d'avoir une autre perception de vous-même. Mais du coup, pas forcément la perception que vous allez dire sur vous-même, parce que la perception que nous-mêmes on peut avoir sur nous et qu'on va déclarer sur nous, elle peut être également erronée. Donc du coup, apprendre à se voir avec les yeux de Dieu. Et ça, c'est une parole, c'est une prière que moi je faisais souvent. Par exemple, comme j'ai dit, quand je ne m'acceptais pas sans maquillage, je demandais à Dieu de me voir, enfin de m'aider à me voir au travers ses yeux. Et donc du coup, à chaque fois, je répétais cette prière. Et puis le lendemain, ça prenait même pas forcément une semaine ou quoi, hein, mais le lendemain, je me regardais, je dis, ah mais Jessica, t'es super belle, hein, genre t'es vraiment belle. Et là, du coup, je sortais et tout, et je marchais comme si la rue appartenait à mon père, tout simplement, parce que je reprenais confiance en moi, parce que je me disais, enfin, je reprenais plus de l'estime de moi plutôt, et ces complexes disparaissaient au fur et à mesure. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire quotidiennement et non pas juste une fois et après en mode ah c'est bon aujourd'hui je me sens mieux donc du coup c'est fini, je suis plus complexée par ça. Parce que non, du coup c'est, étant donné que tu étais complexée par une chose, c'est quelque chose que tu dois traiter chaque jour et dont tu dois prendre soin chaque jour, parce que sinon c'est des choses, même rien que par la pensée, qui peuvent revenir. Et je pense que l'homme qui va t'épouser va t'accepter tel que tu es en fait. Parce que des fois, on est là, oh non, je dois faire telle chose pour qu'il m'accepte, ou genre forcer. En fait, donner une image de toi que tu n'es pas. Tellement t'es complexée, tu vois. Et beaucoup de femmes vont genre donner même un caractère, genre se donner un caractère, genre faire la femme douce, soumise, oui. Et puis, tu sais, tu peux faire semblant un temps, mais genre après, à un moment donné, tu vois, ça revient, il va découvrir qu'en fait, t'es jalouse, tu vois, que t'es possessive, qu'en fait, t'es colérique, etc., etc. Genre moi, dans mon cas, j'ai commencé avec Nathan, moi je suis quelqu'un, tu blagues, tu vois, moi il n'y a pas à faire des faux semblants, à faire « Ah bébé, pas avec moi », tu vois, moi j'aime pas des faux semblants comme ça, tout ça. Mais je me suis rendu compte que parce que j'ai montré qui j'étais vraiment, j'ai été acceptée comme ça, et le Saint-Esprit fait un travail à l'intérieur de toi. Mais au départ, la personne t'accepte tel que tu es. Donc, il n'y a pas à forcer à faire des semblants, à vouloir changer des choses sur ton physique et tout ça. Moi, je vous dis, si tu invites à un date ou peu importe, il n'y a pas tout le temps se maquiller, tu vois. Mais il y en a, elle a tellement peur de ce que l'homme va dire. Si déjà, naturellement, il n'arrive pas à te dire que tu es belle, il y a un problème. Tu vois, l'homme doit t'accepter tel que tu es, parce que lorsque vous allez dormir, tu vas pas être en mode maquillage. Lorsqu'il sera en train de te sexer, vas-tu aller te maquiller, aller viens en sexe? Non, ça n'a rien à voir. Non, sérieux, genre tu dois être toi-même. C'est vrai, elle a complètement raison. Donc
si tu as des cheveux courts, tu as des cheveux courts. Et là, qu'à t'admettre, t'accepter comme ça, tu as des cheveux courts. Après, si tu as envie de mettre des perruques, tu peux mettre des perruques, faire des tresses, etc., etc. Ça va. Mais aussi, je vais quand même toucher un point. C'est pas parce que l'homme, il t'accepte comme ça qu'il faut se négliger. Parce que maintenant, on a des femmes qui se disent « Ah, il m'a accepté tel que je suis, donc elle va commencer à se négliger, pas se faire belle, genre elle va commencer à se laisser aller, etc. » Et puis, quand elle sort dehors, c'est là où elle se fait belle. Mais quand elle est à la maison, elle ressemble à Chaka Zulu. Le but n'est pas... Non, honestly, le but n'est pas que chez toi à la maison... Ils te voient et en mode, pourquoi elle se laisse aller, tu vois? Même chez toi à la maison, même si t'es pas maquillée, mais au moins ils voient que, ah, tu vois, elle prend soin d'elle. Tu peux pas rester du matin au soir, t'es pas lavé. Oh, juste parce qu'il t'aime. Non, en fait, l'enfant des gens, il a pas à souffrir. Non, honnêtement, tu vois, l'enfant des gens n'a pas à souffrir. Vous savez que moi, je parle ouvertement, donc... En gros, tu te laves et tout ça. Même le jogging que tu vas porter ne doit pas être un jogging troué ou tu portes un t-shirt de rip, je ne sais pas qui, tonton Jaco, machin.